aller dans le département de la Tibonite, puisque la situation est toujours compliquée, surtout avec Dramsa qui arrivait hier, côté bandit base Grand Griffe, qui a touillé trois mon épamio, deux jeunes filles, qui c'est Galanda Préville, là, que Jésus-là, Joseph. Il était en direction aéroport international Toussaint Louverture côté Yotapral prend avion pour aller aux États-Unis dans le cadre du programme Biden. Selon ça, correspondant nous Nixon Deneus fait connaître et lié en direct avec nous pour plus de détails. Nixon, bonjour. Bonjour et guerrier Vincel, nous saluer Johnny Ferdinand, salutations à Sila au Cap Tribunal, grand bonjour à travers radio, télévision des âmes du pasteur Joseph Fordani. Nous saluons également Sila qui sur la Timonite, Libération Inter, l'Union, Zalik FN, Sonicus, Mega Alexis, nous pas oublier les amis contre le Dédalo, en pile, nous saluons également les amis de Tabayo Patrick. Alexis Edline, fondu que matin, guerrier du sel, tant vraiment demoiselle de la pluie qui commençait à tomber dans la cité Lissage à Sagina. Mon base à Grand Griffio, il a envahi route nationale numéro 1, zone Capoupey, hier mardi 24 octobre 2023. Eh bien, à tout faire ça, il a touillé trois mondes parmi nous, Yolanda Prédil, 25 l'année, avec Josila Joseph, à tous les deux mesdames Sayo. Eh bien, ils ont voyagé pour rentrer dans le pays États-Unis, dans le cadre du programme Biden. Nèg ak zam sa yo, yo blessé également 6 lot moun, parmi yo chou petit bus la ki te gari petit. Donc, petit bus la, li immatriculé à PQ à 3333, donc il peut assurer trajet Gonani à Port-au-Prince. Yon nan passager qui nous a parlé avec yo, donc lui-même qui était dans petit bus la et qui pas de blessé, a dit, nous t'ai demandé chauffeur pour te camper puisque yo te gen bon genre information à tout faire où t'es déjà sur route nationale numéro 1, mais chauffeur a été refusé d'après explication. L'ITBAI, gagné commissaire gouvernement à Ipaké Saint-Macla, maître Vincent François, qui lui-même a parlé avec presse régionale, puisque l'ITBAI, dans l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Mac, après Zach criminel, ça, lui dit la police a gagné pour auditionner le chauffeur pour connaître qui motive a été expliqué. Lui pas de campé malgré eh bien nous demandé ça puisque zone Capoupey eh bien c'est une zone qui paraît à dangereuse ces derniers temps. Donc tout ça c'est conséquence eh bien papa gang la Tibonite si nous suivons l'accord Nations Unies. Donc c'est ça que je veux dire, papa gang yo occupe la population par la Tibonite à tout faire ça bien yo. Donc on est tout aussi dans première section communal qui est la Tibonite, donc ils n'ont pas chômé, puisque ils ont instauré un climat de terreur dans diverses régions de la Tibonite, puisque ils ont été envahis également, commune à Liancourt, à Yemadi, 24 octobre 2023, Nek qui a tiré en pile cartouches et qui a déforcé la population. Qui reste la population, bien entendu, a pris dans toutes directions, une théorie de kidnappé deux mondes parmi eux. Il y a un machin de pitaille, en tout cas, on ne pas connaît, est-ce que il va faire pitaille, et puis, il y a mettait du fait également dans plusieurs cas. N'a pas rappelé, vous en yo. Roger Boudson Jeune, c'était ancien directeur départemental, la Tibonite PNH, lui-même était obligé de demander de transférer, puisque, monsieur était grand pile volonté, et pour t'aller chercher démantelé, vous gagnez, mais direction générale à PNH, malgré le demande ça, eh bien, lui a pas fait suite à demander pour que je d'armes, pour que je équipement à finition, donc ça n'a pas pris de fait. Même direction générale, ça, eh bien, ça va remplacer par Paul Ménard, je me dis déjà, trouvé dans la même situation, ça, tout côté, jusqu'à présent, pas gagné aucun résultat, au contraire. Gagné, il a plus renforcé, et il y a plusieurs communes, non pas la Tibonite, si vous par exemple, qui vivait la Tibonite, à Clientcourt, tous deux communes, ça y est, ils ont toujours été sans présence à policière, sans qu'ils pensaient à la population de la commune Sayo à le réfugier dans l'autre commune. Et puis, on a fini, guerrier du sel, avec information sur la justice, puisque il y a un assistant criminel, assistant Jouyo, qui a poursuivi dans le tribunal de première instance en Sénat. Les commissaires gouvernement, dans le tribunal de paquet Sénat, maître Vincent, ce soir, lui présenter un bilan partiel sur le déroulement audiencieux. Chef à qualité connaît son total de 10 dossiers qui déjà entretenus, il y a 4 mounes qui condamnés entre 7 l'année de prison et gagné 6 lots de cours.
eh bien, qui joignent à Libération, yo. Nixon, Denis Epistemac, pour Radio Canaïbe FM. Merci un peu, Nixon, Denis.